On prend quelques bonnes grandes respirations profondes et on laisse le corps s'aligner, se déposer, se détendre. On va tenter de rester le plus focus possible. Et pour y arriver, on va simplement observer et ressentir l'air qui entre dans nos narines, qui est un petit peu plus fraîche, et l'air qui sort des narines, un petit peu plus tiède. Pendant quelques minutes, on va uniquement garder le focus sur nos narines et ressentir et observer l'air qui entre et qui sort. C'est une des premières étapes pour ramener le mental à se calmer, à se dégager. Si vous avez trop d'idées, de pensées, si le mental va trop vite, vous pouvez imaginer un petit train qui passe devant vos yeux intérieurs, une locomotive qui passe, puis plein de wagons derrière, et dans chaque wagon, vous déposez une de vos pensées, et le petit wagon s'en va, le train avance. Et vos pensées s'en vont dans les petits wagons. Vous n'avez pas besoin de ces pensées en ce moment, vous vous en occuperez plus tard. Pour le moment, on fait juste rester focus sur l'air qui entre et qui sort des narines. Si vous sentez que vos pensées partent dans tous les sens, respirez, ressentez l'air. Revenez à cette sensation d'air qui entre un peu frais, qui ressort un peu tiède. Et laissez vos pensées s'en aller dans les petits wagons. Pour vous aider, vous pouvez aussi compter le nombre de respirations
Ça vous permet de garder le focus aussi. Prends quelques bonnes respirations profondes, deux ou trois, pour se ramener, pour revenir ici et maintenant. Et sans le vouloir, vos yeux étaient baissés vers le sol. Je vous invite maintenant, derrière les paupières closes, à les lever et à regarder droit devant comme si vous regardiez vers l'horizon. À déposer simplement vos yeux sur cet horizon, derrière vos paupières. Observez la différence de sensation que ça fait entre avoir les yeux vers la terre ou les yeux droit devant vers l'horizon. Sentez la possibilité pour certains de sentir que ça vous permet de vous déposer mieux à l'intérieur de vous, de mieux ressentir que vous êtes là. Prenez quelques instants juste pour observer comment vous vous sentez avec les yeux à l'horizon. Respirez normalement tout en regardant au loin, très loin devant vous. Toujours, si vous avez des pensées qui vous dérangent, respirez. Mettez les pensées dans le petit train. Revenez à votre regard vers l'horizon.
Et imaginez-vous au loin, comme si vous vous regardiez. Imaginez-vous comme vous aimeriez être en ce moment. Quelle personne aimeriez-vous être? Sans aucune inhibition, sans aucune peur, sans aucun blocage. Cette personne unique, entière et parfaite en soi, que vous êtes déjà. Voyez-la en face de vous, au loin. Sentez-vous dans cette sensation d'être pleinement qui vous voulez être. Vous pouvez lui parler à cette personne. Vous pouvez vous parler. Vous pouvez lui demander qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même pleinement. Vous pouvez lui demander de vous guider sur votre chemin, vers qui vous voulez être vraiment. Dans le fond, vous parlez à votre âme, celle qu'on oublie trop souvent, qui est disponible en permanence. Et ressentez comment vous pourriez être vraiment la personne que vous voulez être. Laissez-vous imprégner vos cellules énergétiques, physiques, de cet être que vous êtes déjà et que pour X raisons, vous n'avez peut-être pas encore laissé être complètement. Vous pouvez répéter dans vos mots à vous, intérieurement, un espèce de ce qu'on appelle un mantra, quelque chose qu'on répète, qui commence par je suis. Alors vous pouvez simplement répéter je suis et sentir à quel point vous êtes tout simplement.
Ou vous pouvez ajouter un ou deux mots ou trois. Je suis une belle personne. Je suis extraordinaire. Je suis signifiante. Je suis pleine et entière. Je suis tout simplement. Je vous laisse quelques instants dans vos mots à vous. Vous laissez vous répéter dans votre cœur à quel point vous êtes quelqu'un de bien, de beau, de bon, de parfait. Je suis. Et un autre mot que vous pouvez aussi répéter comme mantra, en le ressentant dans votre cœur, c'est j'existe. J'existe. Observez ce que ça fait à l'intérieur de vous, de vous répéter ces beaux mots pour vous. Je vais vous inviter maintenant à soulever chaque côté de votre bouche vers le haut et à voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous de créer ce sourire, même si vous en aviez peut-être pas envie. Où est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de vous? À quel endroit? Touchez un point à l'intérieur, quelque part au niveau du ventre ou du bas-ventre ou du cœur. Ce point où on connecte avec sa joie intérieure qui est toujours là. Aussi le point où on a notre petite flamme qui est toujours allumée. Où on peut aller se reconnecter quand on oublie parfois. On a toujours une joie et une lumière en soi. Qu'on est toujours, on a un gros réservoir d'amour plein auquel on peut se connecter. Et laissez-vous rayonner à partir de cet endroit, à la fois cette joie, cet amour, cette lumière.
qui tout doucement tourne comme une espèce de petit feu d'artifice qui devient de plus en plus grand et qui va aller imprégner toutes les cellules de tout votre corps. Vous devenez cette lumière, cette joie, cet amour. Vous allez rayonner cette lumière au-delà de votre corps physique, jusqu'à créer une belle grande bulle de lumière tout autour de vous. Cette bulle, c'est votre espace vital, c'est votre aura, c'est votre énergie propre. C'est un espace où personne ne peut venir, avec ou sans votre permission. Parce que c'est comme une bulle de savon. On est tous des bulles de savon qui s'entrechoquent, mais dans la fluidité, dans la douceur. Mais si un jour une bulle pète, malheureusement, c'est la mort qui nous attend au niveau énergétique. C'est pourquoi il est bien important de prendre soin de sa bulle. De sentir combien on la pose tous les jours. On se met dans sa bulle de lumière tous les jours. Ça permet aussi de retrouver son pouvoir, de prendre sa place et de sentir qu'on a une place, qu'on a de la valeur, qu'on peut se déposer en toute confiance dans cette place qui nous est réservée à l'intérieur de notre bulle. Une bulle qui peut vous permettre aussi de vous affirmer dans la vie de tous les jours. Vous affirmer dans votre espace, dans vos valeurs, dans qui vous êtes. Laissez-vous respirer dans cette bulle. Laissez-vous sentir la douceur, la légèreté, la place que vous avez, l'amour qui est avec vous, la joie, la lumière. Vous êtes tout ça et vous êtes entouré de tout ça. Je vais vous laisser quelques minutes maintenant pour vous permettre de vous déposer dans cette lumière, dans cet espace, dans cette bulle. Et ressentir à l'intérieur de vous combien vous êtes déposé ici et maintenant dans votre espace.
Et tout doucement, vous allez reprendre quelques bonnes grandes respirations profondes. Revenir dans votre corps physique, revenir sur votre coussin, dans vos jambes, dans vos pieds. On va se remettre à bouger, se frotter, bâiller, s'étirer. Et quand vous êtes prête, quand vous êtes bien revenu, vous pourrez ouvrir les yeux.